Bonjour, je suis Bruno Bilombo, chargé de programme à UNFPA. Défendre les droits des femmes et des filles, c'est notre mandat. Pour cela, il faut être un vrai homme. C'est quoi être un vrai homme? Un vrai homme, c'est celui qui doit tout faire. Il doit travailler sans distinguer qu'il y a des boulots de femmes, des boulots d'hommes. Il doit faire même ce qui est supposé être le boulot de femme, la vaisselle, la lessive, le ménage, la cuisine, tout ça, un homme doit le faire. Un vrai homme, c'est celui qui a le sens des responsabilités, qui s'occupe bien de sa femme, sa petite famille en un mot, sa femme, ses enfants, et qui encadre, qui encourage les enfants à faire des études et puis et encourager aussi la femme à bien éduquer les enfants en cas où l'homme n'est pas là. À mon avis, un vrai homme, c'est quelqu'un qui prend soin de sa femme, de ses enfants, des personnes âgées pour les aider à s'épanouir, à s'en sortir. Un vrai homme, c'est celui qui considère que, quel que soit le sexe, tout le monde peut faire ce qui est possible d'être fait dans le monde, dans la vie économique, politique, culturelle, etc. Un vrai homme s'en occupe de sa famille, s'en soucie de sa famille, qui pense à l'avenir de ses enfants, qui réfléchit aussi pour son avenir, pour le lendemain. Un vrai homme n'est pas là pour juste se raconter des bêtises, chercher la guerre, chercher les combats, mais qui prend soin de sa famille et de son environnement.